Salut à tous et toutes, c'est Terence 44. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle partie en 2023. Le FC Nantes accueille l'AJ Auxerre pour la 17e journée de Ligue 1. Bientôt la sortie des joueurs sur le terrain. Voilà, ils vont rien dire, ils vont être premiers, moi. Voilà, avec 100 supporters, sauf nos ultras sont en bas dans le groupe. Je vous laisse deviner, je ne fais pas signe de doigt. Les supporters de Auxerre qui sont tout là-bas. Voilà, je reprends à la sortie des joueurs. Et voilà l'entrée des joueurs de FC Nantes et Auxerre. Le match ensemble comme d'habitude. Voilà, ils viennent sur le terrain, ils prennent emplacement. Les supporters d'Auxerre qui mettent des banderoles. En rapport à la diffusion du match aujourd'hui, comme vous voyez, je ne sais pas si on voit, mais. Voilà. LFP et je ne sais pas quoi, j'arrive pas à voir plus. Voilà. Il y a la minute de silence, je crois, pour. Le champion du monde de foot. Ah, William, regarde l'hommage pour le champion, notre brésilien. Cambouré, il est en tribune. Il était en tribune. Cambouré, il est en tribune, Kléber. Ouais. Ouais, il y a trois matchs de suspension. Ouais. Trois matchs, dont deux avec un sur huit. Ouais, Antoine Cambouré en tribune. Ouais, ouais, ils disent depuis tout à l'heure la ligue. Allez, à tout de suite.
Le calme total en tribune Loire. Avec les banderoles de côté Auxerre. Les supporters d'Auxerre, ils ont sorti les drapeaux, toujours avec les banderoles, évidemment, en rapport à la LFE. Et les ultras Nantes sont en bas de la tribune Loire. Et on entend Lolo en tribune Herbe. Il est arrivé à 15h30. Quel délire! Voilà, nos ultras Nantes en bas, à la tribune. Allez, gens, ça va être reparti pour la deuxième période de Ligue 1. FC Nantes contre Auxerre, 0-0 à la deuxième mi-temps. Coup d'envoi dans quelques minutes. Alors pour ceux qui savent, nos ultras à Nantes, ils sont là, en bas à droite de la tribune Loire. Présents, sans drapeau, sans rien, comme les supporters de Auxerre, comme vous voyez. Bon, ils ont mis quelques drapeaux, les supporters d'Auxerre, mais ils ont les mêmes banderoles que les ultras de Nantes. Mais ils sont juste là, les ultras de Nantes, avec des banderoles pour protester contre les matchs à 15h et un jour férié. Si c'est bien ça que j'ai compris. Et c'est parti pour de bon. Allez Nantes, et à tout de suite. Monsieur Calou, 44, c'est présent. Premier. Voilà. Petite dédicace. Afrikar 44, qui n'est pas là aujourd'hui. Et le premier but du FC Nantes à la deuxième mi-temps, but de Marcus Coco. 1-0 pour le FC Nantes. Yes. Magnifique. Allez, lâchez rien les gars. Ah, voici un coup franc pour le FC Nantes. Toujours 1-0 à la deuxième mi-temps. Thank you.
Attention, attention. Voilà, 4 minutes au temps additionnel pour la fin du match. Voilà, bientôt la fin les gens, il reste quelques petites minutes. Allez siffle oh. Yes, c'est fini, victoire à la Beaujoire en 2023, la première à la maison face à Auxerre. Magique. Avec le meilleur. Wouhou. Voilà, voilà. Voilà les gens, c'est la fin du match, les champs ont gagné 1-0 à Zeniton. Magnifique en 2023, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo comme d'hab. Le pouce bleu, le petit commentaire, un très bon visionnage à tous et à les gens. Bye bye.